That's what you call church. Alors il faut savoir que Polyphonie n'est pas un morceau de Marie-Paul Bell, c'est un morceau de Little Richard. Il faut le savoir, parce que Little Richard, on pense que c'est Elvis ou je sais pas qui, parce que beaucoup de gens ont chanté Polyphonie. Il faut savoir que c'est de Little Richard, qui est une grande influence de James Brown, de Prince, de Jackson. Donc tu reviens au... À la source, quoi. Les anciens, quoi. Les mecs qui savaient faire du rock'n'roll. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? On fait un morceau parce que je sais plus quoi dire pour me lever. Yes! On accueille deux amis qui sont là, de passage d'un ami qui joue de la basse. Magnifique, on vient Jonathan. On va nous dire, s'il vous plaît! And Charlie on the drum, Charlie on the drum, super. One from me, from LA, and the other from London. And Guillaume, you're gonna sing with us. Yes, hey, sure. Est-ce que nous avons des saxophonistes dans la salle? Des trompettistes? Les trombonistes. Vous avez un ami percussionniste qui est là, tiens. C'est ma mère. On applaudit Navib qui vient se joindre à nous, s'il vous plaît. On applaudit. Trumpet player. What's your name? Aaron. Aaron on the trumpet. Please, Aaron. Oh, that's a dog. Alors ce n'est pas une chanson de Marie-Paul Bell, et malgré que nous sommes de fervents défenseurs de la chanson 113, nous allons chanter un morceau en anglais. Une fois n'est pas coutume. Sinon, ça va, c'est la fête. My love is a flame.
Thank you.
parler encore. Thank you.